Lyco Green, c'est venu d'un problème qu'on avait personnellement. En fait, en tant qu'étudiants qui voulions consommer plus en accord avec nos valeurs, on s'est rendu compte que quand on voulait avoir des produits qui étaient plus éco-responsables, c'était souvent des produits qui étaient trop chers par rapport à notre budget d'étudiants, à part tout ce qui était seconde main, bien évidemment. Donc, Lyco Green, c'est un site internet où on regroupe maintenant plus de 35 marques partenaires qui sont engagées environnementalement ou socialement. Et les étudiantes et étudiants peuvent donc les retrouver, savoir pourquoi elles sont écolo et pourquoi elles sont listées sur le site, et ensuite avoir accès au code de réduction gratuitement en s'inscrivant avec leur carte. Alors là, on est en train de réfléchir en fait pour qu'on propose une offre qui soit plus complète que juste des réductions étudiantes et de la consommation, en proposant des offres de formation, parce que c'est un gros point qui manque, notamment dans le dernier rapport du RESES. Les étudiantes et les étudiants vont être plus formés justement sur ces enjeux d'écologie. On a eu beaucoup de chance de participer au dispositif Start in ESS parce que ça nous a permis d'assister à différents ateliers sur différents points de la création d'entreprise et de la gestion derrière de notre entreprise. Sachant qu'on est étudiant, c'est quand même un apport assez intéressant. Et à côté de ça, on a aussi pu avoir accès au studio de l'Académie du Climat, où on a pu lancer notre premier podcast qui s'appelle Le Terrarium, où on invite justement nos marques partenaires et d'autres personnes engagées à exprimer ce qu'elles font dans leur quotidien. L'idée aussi d'Lyco Green, c'est qu'on crée un site avec les personnes qui l'utilisent et qu'on construise tous ensemble la plateforme. Donc on vous attend sur notre Instagram Lyco Green et sur notre plateforme directement lycogreen.fr pour nous faire tous vos retours.